pour les motocyclettes. Ouais. Quand je l'attache parce que... Tu circules beaucoup à vélo? Ouais. C'est la meilleure moyen. Mais je l'attache parce qu'il y a plein de voleurs. C'est pour ça que j'ai fait un film sur la police. Non. Voilà. Voilà, moi je vais prendre mon appareil. Alors, j'ai pas d'armée là, égal. Bon, voilà. Bon, tu as demandé qu'on ait un endroit un peu pas trop agressif. Alors, bon, ben... Le Louvre. Le Louvre, ouais. Les Tuileries. Carrément les dames, le Louvre. Les dames, carrément. Carrément le Louvre. On va aller là, alors, je sais pas. Bon, on marche un peu sur le gazon. J'aime pas le bruit. J'aime pas le bruit de la ville. Moi, j'en profite pour faire des photos. La question est de savoir si on va réussir notre plan séquence. Ah ben pourquoi pas. On est parti tout. Ouais. Pourquoi un film sur la police, vraiment? C'est beau, je découvre mes petits collègues derrière. J'adore sur ces moments où on marque dans la boue. Alors un peu pour... Je suis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que la police, il y a un petit blocage, quoi. Oui. Et puis, au départ, c'était ça. Mais après... Je suis aperçu que ce qui m'intéressait, c'était les petits faits que la police traitait, qu'on nous, on ne voit pas. Les petites choses, même que la presse ne traite pas, quoi. Les petits événements. Ce qu'on appelle la main courante, jusqu'à la mort d'une personne. Quoi. Ce qui se passe à Paris maintenant, là. Il y a peut-être une police secours qui part. Et ce sont des choses qui ne sont pas forcément des choses dramatiques, ce sont des choses différentes. Il y a énormément de choses. C'était un voyage incroyable de passer mais, comme ça. Mais quand tu as fait ça, que tu as vu ces gens, ouais. Tu vois le problème, tu regardes mon visage, est-ce que tu veux regarder l'objectif? Non, je regarde l'objectif. D'accord, bon. Quand tu as fait ça, tu pensais à quoi? Tu pensais au Tibesti? Tu pensais à Giscard? Tu pensais aux journaux? Tu pensais à New York? Tu pensais à quoi? Quand tu étais en face des filles, quand tu es rentré la première fois là dans le commissariat, j'étais mort de peur. J'étais mort de peur parce que, je sais pas, l'uniforme, je sais pas pourquoi. Parce qu'après, effectivement, ça allait mieux, mais j'étais mort de peur et j'avais certainement plus peur que d'aller au Tibesti, quoi. Et puis... Pourtant, là-bas, quand tu es parti la première fois, il y avait... Tu étais avec un commando, parti de Libye, je sais pas quoi. Non, mais c'est vrai, mais c'est très impressionnant. Et les policiers, comme ça, ont l'impression qu'ils vont... Un commissariat, c'est très impressionnant parce que... On ne sait pas pourquoi, parce que en fait, la porte est ouverte, il y a un banc, il y a un comptoir, il n'y a rien a priori qui devrait être impressionnant, mais c'est un peu comme un asile psychiatrique, quoi. C'est la ville, moi. Je ne sais pas, c'est peut-être l'origine rurale, c'est la peur d'être enfermé. C'est le paysan de Paris devant la police. Oui, je ne sais pas. Enfin, on me dit ça à chaque fois, c'est un petit peu... Oui. Mais il me semble que... Et puis c'est aussi la d'essayer de faire quelque chose, d'aller un peu plus loin dans le cinéma, un petit peu, d'aller un peu... Je me sens très concerné par ce film, parce que c'est un film aussi un peu sur la mort, sur les petits drames, qui se passent pas du tout comme on le pense, comme on le voit dans les films de fiction, parce qu'encore une fois, les films de fiction relatent très mal, et les romans policiers aussi, parce que ça se passe plutôt... Quelquefois, ça, on rit et on pleure, quoi. Mais... Je me parle très mal de mes films parce que je suis... Je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler de mes films. Ouais, j'en parle très bien, c'est ok. Non, merde. Bon, mais on va aller. Tu sais, tu m'avais dit... Où est-ce qu'on va, là? On va aller voir une statue, tiens. Parfait, on va voir les dames. Hein. Voilà. Bon. C'est à côté de l'endroit où tu tournais Giscard, là. Ouais. Ce plan dont j'étais jaloux pendant des mois et des mois, quand le soleil tombait. Tu sais, c'est bien un peu pour ça que je suis revenu ici. En disant, essayer de faire tomber le soleil, mais je sais pas si ça va marcher, là. Ouais, ça, c'est les appartements de fonction du ministère du ministre des Finances. C'est un des plus bels endroits, parce qu'il y a une terrasse. C'est là où tu étais sur la terrasse, il y avait un type qui faisait des photos. Voilà. Un rival. Voilà. Et Giscard t'a dit, un rival. Mais c'est plus beau que l'Elysée, là, en fait. Bien sûr, on peut pas se rendre compte en passant en voiture, parce que cette terrasse, on la voit pas, mais elle est très belle. Il y a des statues, et en plus, on voit le coucher du soleil.
sur Paris. C'est très bon. Bon, alors attends, on découvre cette statue. Moi j'ai fait le tour, on passe de l'autre côté, je t'aperçois avec la dame. Si tu la photographies, comment tu fais? En douceur. Vas-y, alors vas-y. Il faudrait filmer en douceur, toujours vas-y, en douceur. Vas-y. Moi je crois qu'il faut toujours filmer les choses en douceur. Alors, même les choses les plus dures. Photographier là, comment tu ferais? Alors, une photo, vas-y. Non mais en photo, c'est vrai que je... La flange gênée, bon. Il y a un jeu de jambes comme ça, oui. Un peu comme, comme un boxeur sur un ring. Oui. Mais c'est vrai que je la photographierais pas. Si je devais la filmer, je pense que je la filmerais pas pareil que la photographie parce que peut-être que je glisserais comme ça, doux. Bon alors écoute, je glisse là. Bon, genre, tout doucement. Il y a le visage. Faut pas agresser les gens. Même si on s'agresse toi-même, hein, parce que. Est-ce que la police pour toi était agressive? Au départ, elle était très agressive, mais j'ai essayé, justement au contraire, de ne pas être agressif, d'essayer d'être le plus. Pas l'objectif ni neutre, ça ne veut rien dire, mais de filmer avec. Je sais pas, avec. Retenue, pudeur, de ne pas forcer, de ne pas faire un mouvement qui soit contraire un peu à. Je sais pas, à ce que je ferais, ce que je bouge dans la vie, c'est-à-dire à pas à rester comme je porte un regard, comme ça. Bon, alors voilà, si tu la filmes, Philippe, passe ta caméra. Bon, ok. Alors si je la filme. Alors vas-y. Je commencerai par les pieds, tu sais. Oui. On fait tout doucement. Voilà. Je tournerai autour. Oui. Puis je m'arrêterai. Sur le visage. Voilà. Peut-être après je descendrai sur les bras. Voilà. Est-ce que tu pratiquerais le contre-jour? Le contre-jour? Ben, il y a une chose que j'ai jamais fait pendant le tournage de Faits divers, c'est vraiment de tourner comme ça, on pourrait dire presque, je dirais gratuitement. Oui, mais là, c'est pas gratuitement pour moi. Non, mais moi. Oui. Voilà, de tourner comme ça. Au contraire, j'ai pris une place comme ça. Et je me suis fait le plus petit possible. Et j'ai pas essayé de me faire oublier parce que je crois que ça n'existe pas. Enfin, effectivement, ma caméra, on la voit, je tiens pas à disparaître. Mais il y a des moments, je crois pas que ça soit nécessaire de donner l'impression que la caméra est trop participante. Quelquefois, il faut répondre, effectivement. Je devais répondre à des gens qui pouvaient peut-être me poser la question « Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est ?» Ou les gardiens de la paix qui me parlaient. Je réponds, mais je ne crois pas que systématiquement, il faut marquer la présence de la caméra. Elle doit être quelquefois un peu participante, bien sûr, mais moi, je crois plutôt quand même qu'elle doit rester un peu observante. Avec toute la relativité que ça peut avoir d'une caméra objective, je sais bien que ça n'existe pas. Donc c'est ce que j'ai vu, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je ferai là. Voilà. Moi, tu vois ce que je ferai là, j'essaierai, mais je rate toujours ces plans-là, c'est de faire la caméra à la main. Voilà. Mais ça, en général, ça ne marche pas. Mais quelquefois, quand ça marche, ça peut être sublime. Là, tu vois, j'essaierai d'attraper le visage. Une petite révision du diable. Apparition de Raymond derrière, avec un soleil éblouissant. Et je m'éloignerai, tu vois, et je te laisserai face à face avec ta petite amie. Raymond Depardon, Faits divers,
prise 1, prise unique. À la caméra, Philippe Constantini, Raymond Depardon, Jean Rouche. Au son, Patrick Genet. Décor, Mayol et le nôtre. Paris, le 19 avril 1983. 19h. Pellicule Kodachrome. Mixage, Musée de l'Homme.